Lorsque la pandémie a éclaté, la vie s'est arrêtée en un instant. Du jour au lendemain, nous sommes retrouvés à la maison. L'école s'est déplacée vers l'ordinateur. Nous ne pouvons voir nos amis que sur l'écran, leur parler par téléphone ou sur Zoom. Pendant la pandémie, le plus difficile pour moi a été de rester motivé pour étudier. Robert, comment as-tu vécu cela en Irlande? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Pendant la pandémie, je n'ai pas pu faire autant de sport que j'aurais voulu. En effet, je faisais 3 sports par semaine et je n'ai plus pu en faire. Je me suis donc senti plus enfermé chez moi car je ne pouvais pas beaucoup sortir et je ne pouvais pas faire d'exercice physique. Ce qui m'a plus gêné pendant la pandémie, c'est de ne pas pouvoir sortir et me rencontrer avec mes amis. Puis, mon école a décidé de faire les cours en ligne et évidemment, ce n'était plus aussi sympa qu'avant. Pendant la pandémie, le cours de danse à l'école était difficile car il était en ligne. Mais au moins dans ma famille, nous nous sommes retrouvés plus souvent car nous étions tous à la maison. Anya, qu'est-ce qui a changé pour toi? Pour moi, le plus grand changement a été d'être devant l'écran du matin au soir, car je vais dans 2 écoles et le temps de me détendre dans la nature m'a manqué. Après nous être habitués à la situation, nous avons commencé à nous réunir par Zoom avec les jeunes. Ce n'était pas comme en présence, mais ça nous a permis de maintenir le lien. Nous avons demandé à Rama d'Indonésie quelle était la situation dans son pays pendant la pandémie et quelle a été son expérience. Je m'appelle Kiarama Djanoti Tarigan. Vous pouvez m'appeler Rama. Je viens d'Indonésie, plus précisément de Jakarta. J'étudie à SMP Tarakanita 5 Jakarta en 7e année. Depuis que la pandémie de COVID-19 a frappé le monde, début 2020, elle a eu un impact très négatif, notamment en termes de santé et d'économie. Beaucoup de personnes ont dû arrêter de travailler et se sont retrouvées au chômage. Notre famille a été touchée, mais nous avons eu de la chance. Papa et maman continuent à travailler normalement. D'autre part, nous recevons souvent une aide sociale du gouvernement. Beaucoup de nos voisins ne reçoivent pas cette aide car ils ne vivent pas dans cette région ou pour d'autres raisons. Papa et maman ont décidé de distribuer toutes les aides que nous recevions aux voisins qui en avaient le plus besoin. En plus de l'aide que nous recevions, papa et maman ont commencé à acheter des extras à partager avec eux. Nous menons cette activité depuis 2020. Mais mon expérience la plus marquante est la suivante. Un jour où je rentrais chez moi après mes courses en présence, j'ai vu un balayeur ramassé dans les ordures. J'étais triste parce qu'il luttait pour gagner sa nourriture et subvenir à ses besoins. J'ai pensé que je devais faire quelque chose. J'ai alors eu l'idée de distribuer de la nourriture aux balayeurs. J'en ai parlé à mes parents via WhatsApp et ils ont approuvé mon idée. Après quoi, maman et ma sœur sont allées au supermarché pour acheter du riz, des huiles instantanées, des huiles frites, des huiles de cuisson, des œufs et des sardines. Mon père ne pouvait pas aider car il avait beaucoup de travail au bureau. Après avoir acheté de la nourriture, ma mère, mes 2 sœurs et moi nous sommes réunis pour préparer les produits alimentaires de base. Il a fallu environ 1h30 pour organiser les produits de première nécessité. Je remercie papa et maman d'avoir accepté mon idée de donner quelque chose aux personnes dans le besoin. Actuellement, l'aide sociale n'est plus disponible, mais nous continuons notre action de partager avec d'autres. Merci. Pour nous permettre de mieux comprendre l'impact majeur de la pandémie sur la vie de chacun d'entre nous,
Une personne est ici aujourd'hui pour nous l'expliquer. Nous avons posé à Renata Rocha quatre questions auxquelles nous voulons trouver des réponses. Renata est une psychologue brésilienne spécialisée en neuropsychologie. Elle travaille avec des enfants et des adolescents et aussi un master en bioéthique. Écoutons-la. Pendant la pandémie, les taux de dépression et d'anxiété ont beaucoup augmenté. Penses-tu que la raison principale soit les manques d'intégration sociale? Selon toi, quel groupe démographique a été le plus touché? Plusieurs études ont montré que la dépression et l'anxiété ont vraiment augmenté pendant la pandémie. Les résultats de plusieurs analyses indiquent que la pandémie a un impact important sur la santé mentale, en particulier chez les enfants et les adolescents. Selon les experts, l'incidence accrue de la dépression et de l'anxiété chez les jeunes et les enfants est principalement liée à l'isolement social, à la perte de but et d'objectifs en raison des incertitudes imposées par la pandémie, à l'impossibilité d'aller à l'école, à la fermeture des institutions, aux difficultés financières rencontrées par les familles pendant cette période, à la perte d'êtres chers et d'autres facteurs. Nous pouvons dire qu'il y a une perte de contact avec les camarades, en particulier avec ceux du même âge. L'école, par exemple, n'est pas un lieu où se déroulent uniquement des activités d'enseignement et d'apprentissage. C'est un lieu de contact affectif très important pour le développement de la cognition sociale. Ce sont des processus mentaux par lesquels nous nous comprenons nous-mêmes, les autres et les situations sociales. Pour les jeunes et les adolescents, ces contacts sont très importants, car c'est une période où les personnes ont besoin d'élargir leur monde. C'est une période où les jeunes et les adolescents construisent leurs relations, font leurs choix plus conscients et se découvrent dans le monde. Les jeunes sont en pleine maturation de leur système émotionnel et sont à un moment où les contacts sociaux sont cruciaux pour le développement de leur cognition sociale. Merci Renata. La question suivante est, comment l'utilisation accrue des réseaux sociaux affecte notre mental isolement? Penses-tu qu'il sera diminué l'estime de soi? Si oui, comment les jeunes peuvent-ils éviter les influences négatives? Nous pouvons dire que si d'une part, dans l'isolement social, les réseaux sociaux ont permis, dans une certaine mesure, une continuité des relations, d'autre part, leur utilisation excessive a entraîné et entraînera encore plusieurs conséquences sur la santé mentale, en particulier des enfants et des adolescents. L'utilisation intensive d'Internet peut générer un usage compulsif définissant une addiction qui place l'utilisation de l'Internet au centre de ma vie et en relation avec toute autre action de mon quotidien. Les réseaux sociaux peuvent aussi interférer directement sur l'estime de soi, augmentant les comparaisons entre personnes différentes et diminuant l'estime de soi générale. Lorsque nous regardons une photo publiée avec des personnes heureuses qui font des choses fantastiques, nous commençons à nous comparer et à penser que notre vie n'est pas aussi bien que celle de cette personne ou qu'elle n'a pas de sens, que nous voudrions avoir une vie différente. C'est là que réside le danger. Internet ne montre pas la vraie vie des gens, mais une partie de ce qu'ils vivent. Et on ne peut pas connaître, à partir d'une photo, tous les problèmes et les difficultés que rencontre cette personne. Tout ce que nous voyons sur Internet est un cadre. Et dans les cadres, nous mettons les gens heureux et non les vulnérabilités et les difficultés inhérentes à chaque être humain. Donc, la première étape pour éviter qu'Internet ait un aussi grand impact sur l'estime de soi est de nous rappeler ce cadre que nous tenons pour acquis. D'autre part, ce que nous soyons sur les réseaux est un déclencheur qui nous fait penser automatiquement. Nous devons donc mettre dans ce système la capacité de nous interroger afin d'échapper à cette influence. Les réseaux sociaux ont été développés d'une manière très similaire aux machines à sous que nous voyons dans les casinos. C'est un système de stimulus et de réponses presque spontanées qui génèrent un comportement addictif. Les likes, les commentaires, les mentions et la recherche de ces réponses en ligne sont devenus non seulement l'hameçon de la dépendance aux réseaux sociaux, mais aussi un mécanisme de validation sociale. Nous n'avons pas besoin d'un public pour nous valider ou de dépendre du nombre de likes pour nous sentir appréciés.
Chacun de nous est unique, a ses valeurs et sa dignité, indépendamment des jugements virtuels. Merci Renate. Carla Stefani, de Messic, a expérimenté les effets d'une utilisation intensive de réseaux sociaux pendant l'isolement. Elle nous partage son expérience. Salut, je m'appelle Stéphie, j'habite à Ville de Messic, j'ai 14 ans. Chez nous habitions mon père, ma mère, mes 13 sœurs, mon frère et moi, la plus petite. À cause de la pandémie, j'ai augmenté le temps que je passais sur les réseaux sociaux. J'ai découvert un nouveau mode de vie. J'aimais beaucoup regarder des séries et des films comme Harry Potter, Stranger Things, Merlin. Je ne me rendais pas compte qu'ils influençaient mon comportement et m'éloignaient de Dieu. J'aimais aussi la musique de Billie Eilish, Conan Gray, etc. J'ai commencé à penser que ce n'était pas mal d'utiliser un langage grossier. J'ai passé mon temps affalé sur le lit à regarder l'iPad. Je n'aimais pas aider à la maison, je ne pensais qu'à moi. J'ai commencé à laisser l'école de côté. Je me mettais en colère et je pleurais beaucoup. Je ne voyais pas le sens de la vie. À cette époque, je participais encore à Légion 3, mais je pensais à le quitter. Mais je sentis que quelque chose m'empêchait de le faire. Maintenant, je vois que c'est Dieu qui prenait soin de moi et m'aidait à changer. À cette époque, je commençais à recevoir des vidéos chrétiennes sur TikTok et je le regardais parce que je savais que Dieu me regardait et qu'ainsi, il ne se mettrait pas en colère contre moi. Puis, j'ai vu de plus en plus de vidéos car l'algorithme de TikTok est le suivant. Si vous voyez une vidéo d'un type de contenu, vous en recevez plus. Et j'ai commencé à découvrir plus l'amour de Dieu. À cause de la pandémie, nous suivions la messe en ligne et je n'avais plus reçu Jésus-Eucharistie. En juin, je suivais le cours en ligne et j'allais faire l'intervalle. Maman m'a dit « Hey, Stéphie, ils ont ouvert l'église. Tu veux y aller ?» Et nous sommes allés. J'ai reçu Jésus-Eucharistie. Et j'ai ressenti très fortement son amour lorsqu'il a donné sa vie pour nous sous la croix. J'ai éprouvé un grand bonheur et j'ai même versé quelques larmes. Dans ces moments-là, j'ai décidé d'échanger. Dieu sait qu'il a été difficile pour moi de laisser le monde et de le suivre. Ça a été un processus et lui m'a aidé. Comme j'aimais les reggaeton, il m'a fait découvrir un groupe, le Hero Squad, qui fait des chansons sur le Hymn Team avec des messages positifs sur le bonheur de trouver l'amour de Dieu. Avant, je n'allais pas à la messe que le dimanche parce que mes parents m'y amenaient. Je m'ennuyais, mais maintenant je me suis rapprochée de lui, je ne m'ennuie plus. Être avec lui me procure beaucoup de bonheur et aller à la messe tous les jours me donne la force de continuer. Maintenant, j'aime beaucoup aider à la maison, je passe moins de temps sur l'iPad et j'utilise le temps que j'y passe pour regarder des films, écouter de la musique, regarder des vidéos, des choses qui m'aident à me rapprocher de Dieu ou à pratiquer les dons que Dieu m'a donnés, comme la cuisine et les dessins. Même s'il y a encore beaucoup de choses où il m'est difficile d'aimer et de suivre la volonté de Dieu, je sais que tendre à la sainteté, ce n'est pas être parfait, c'est reconnaître que je suis pécheresse et que je me trompe. Mais je peux toujours recommencer. Comment reconnaître que nos amis traversent un moment difficile? Comment pouvons-nous les aider? Pas de réponse unique, car chacun réagit différemment. Certaines s'isolent et ne répondent plus à nos messages ou à nos appels téléphoniques. D'autres font mille activités pour tenter d'oublier ce qu'elles vivent.
Certaines commencent à avoir des comportements à risque, comme boire, prendre des drogues, sortir avec des personnes différentes, pour tenter d'anesthésier leur souffrance, etc. Le plus important, c'est que ceux qui souffrent sachent qu'ils peuvent compter sur nous. La meilleure façon d'aider est d'être une présence aimante, que ce soit par une écoute attentive et pleine d'empathie, par des mots d'encouragement, par la proposition de faire quelque chose ensemble, par une promenade autour d'un lac, même en silence, par l'envoi de gâteaux qu'ils aiment avec un petit mot qui dit « Compte sur moi pour tout ce dont tu as besoin ». L'important, c'est que cette personne sache que nous l'aimons, indépendamment de ce qu'elle vit ou fait à ce moment-là. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré, Renata. Nous écoutons maintenant l'expérience d'Isabelle de la Suisse qui a aidé son amie qui en avait besoin parce qu'elle ne se sentait pas bien. Dans ma nouvelle classe, j'ai un camarade qui est souvent déprimé. Je l'aime bien. Un jour, j'ai vu de nouveau qu'elle était triste. Je lui ai demandé si elle voulait me parler de ce qui la rendait triste, mais elle a secoué la tête. Je sentais qu'elle avait besoin d'aide. Alors, je lui ai dit, « Si tu veux, tu peux m'appeler après l'école pour qu'on puisse parler. » L'après-midi, nous avons chatté un long moment. Le lendemain, elle m'a remercié de l'avoir écoutée. Je pense que non seulement elle pourrait, mais qu'elle a déjà changé notre point de vue. Acredito que a pandemia não só poderia, mas mudou nosso ponto de vista. Toute crise, quelle qu'elle soit, est toujours une occasion de changement. Chaque difficulté nous amène à surmonter des obstacles, ce qui nous rend plus forts, plus confiants et nous ouvre les yeux sur de nouveaux horizons. Nous sommes entrés dans une crise mondiale déclenchée par une pandémie qui, malgré la souffrance, les limites et les incertitudes qu'elle a entraînées, nous a aidés à réfléchir et, qui sait, à commencer à changer notre regard sur le monde où nous vivons. Nous avons été contraints d'apprendre que nous ne survivrons que si nous soucions les uns des autres. Nous avons vu pendant la pandémie des personnes qui, dans la peur de la mort, manifestaient un mépris total pour leurs semblables, remplissaient de façon irrationnelle les caddies des supermarchés, cherchant à tout prix à profiter des autres. Mais en même temps, nous avons vu beaucoup de solidarité, des personnes soucieuses d'aider ceux qui avaient moins ou qui avaient perdu leur emploi, distribuer de la nourriture, payer les factures, se rendre disponibles pour faire les courses de ceux qui ne pouvaient pas sortir de chez eux, et mille autres gestes de solidarité. La pandémie nous a donné l'occasion de penser avec le cœur et d'exercer notre capacité à aimer la vie et à respecter tout être vivant. Ça a été et c'est toujours un moment pour développer notre sens de la collectivité, notre solidarité et notre citoyenneté, convaincus que chaque vie est un miracle précieux et que nous devons avoir pour elle responsabilité et respect. Ce moment unique dans l'expérience de chacun de nous est l'occasion de changer nos habitudes, d'exercer notre résilience, de valoriser la santé, les liens familiaux et l'amitié, et aussi d'améliorer notre travail, de redéfinir la solidarité et d'abandonner les pratiques oppressives dans notre environnement social. Au revoir à tous et à la prochaine. Merci Renate pour tes réponses très utiles et inspirantes. Nous poursuivons maintenant avec une expérience qui nous vient d'Afrique. Elle nous apporte de l'espoir en cette période terrible de pandémie. Ciao, c'est Élisée Jean III de Lubumbashi en RD Congo. Cette année, nous avons vécu beaucoup de choses malgré la situation sanitaire de la pandémie. Comme les rassemblements en grand nombre étaient interdits, nous avons compris que Dieu nous demandait de vivre un instant présent. Alors, nous avons commencé à faire nos rencontres dans nos unités jeunes, dans la semaine Monde Uni. Les uns se sont organisés pour les activités d'assainissement du milieu,
les autres pour l'apostolat à l'orphelinat où nous avons eu à déposer quelques biens et vivres mis en commun. Cela nous a donné beaucoup, beaucoup de joie et fait comprendre que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, rien ne peut nous empêcher d'aimer nos frères, même pas la COVID-19. Merci. Et enfin, une chanson de Slovénie. Anja et Miha vont nous la présenter. Bonjour, nous sommes Miha Svetkar et Anja Prošak et nous avons écrit la chanson Ando Bon Monde. Par cette chanson, nous voulons encourager les personnes à continuer à construire un monde plus beau et leur dire que tant qu'une seule personne essaiera de le faire, cela inspirera les autres et leur donnera l'espérance. Si nous nous unissons, nous pouvons lentement mais résolument changer le monde pour le rendre meilleur. Merci de votre attention.